Bien bonjour à vous toutes et à vous tous. Donc moi je suis Vanessa Di Paola et donc j'ai coordonné cette ANR, Women in Management, et donc en tant que coordinatrice, il m'incombe de faire l'ouverture de cette journée avec beaucoup de plaisir, que ce soit en présentiel, mais bien sûr nous l'avons aussi pensé de manière hybride comme c'est maintenant la règle. Donc bienvenue aussi aux personnes que je ne vois pas mais qui sont là à distance. Pour ne pas oublier de le dire, pour les personnes à distance, vraiment, on vous invite aussi à participer, à réagir. Mais malheureusement, le système qu'on a mis en place ne vous permet pas d'intervenir oralement. Donc, posez vos questions dans le chat. Et nous avons Benoît Carte, que je vais remercier aussi tout de suite, qui est chercheur au CLERCE à Lille et qui a accepté de s'occuper de notre Zoom et donc de prendre vos questions pour ensuite faire votre porte-voix. Donc c'est un plaisir, hein, évidemment, parce que c'est plusieurs années de recherche qui sont aujourd'hui en discussion, en présentation et puis en relation avec d'autres présentations. Et donc on va avoir, je pense, une journée riche et j'espère prometteuse par la qualité des interventions qui seront présentées tout au long de cette journée et puis bien sûr, je n'en doute pas, par la qualité des échanges que nous pourrons avoir. Quelques mots de remerciement, vous vous en doutez, pour démarrer cette journée. Alors, des mots de remerciement en premier lieu dans cette magnifique école qui nous accueille. Alors, nous, on ne connaissait pas, on a découvert ce lieu. C'est Dominique qui nous l'a trouvé, ce lieu. Cette école de l'image, école des Gobelins. Et on voudrait remercier en particulier vraiment l'ensemble de l'équipe qui a été formidable, aidante à souhait. Notamment pour répondre à toutes nos demandes qui n'étaient pas tout à fait classiques pour elle. Donc un grand merci à l'école des Gobelins. Un merci aussi à Anoulka Kriegelmans, que vous avez vue à l'accueil, qui nous a aussi été très précieuse, qui a fait que cette journée peut se tenir dans les meilleures conditions, et notamment vous. L'accueil café, ça c'est l'école des Gobelins hein, qui nous l'a mis en place. Mais le buffet que nous aurons pour partager ensemble à midi, on lui doit beaucoup pour cette organisation, puis votre inscription, etc. Alors cette journée, on a aussi voulu qu'elle ne soit pas un moment qui disparaisse. Donc on a voulu qu'il y ait une captation de qualité. Et donc pour cela, c'est Élie Perrichon que nous allons remercier vivement, qui est derrière la caméra ici et qui s'occupe de tout capter. Donc on vous a demandé vos autorisations de droit à l'image. Si jamais vous n'aviez pas signé ou quoi, n'hésitez pas à vous manifester, à nous signaler hein, si ça n'avait pas été normalement. Anouchka a veillé, tout est... Oui, en cas de refus, bien sûr. Donc cette journée, c'est la journée de clôture. En fait, ce n'est pas vraiment la clôture parce qu'on a encore quelques mois devant nous. On a bénéficié d'une petite rallonge de l'ANR, de l'Agence nationale pour la recherche. Mais on ne fera pas de deuxième journée de clôture, ça sera vraiment celle-là. Et donc, c'est cinq années qui nous ont... qui ont demandé aussi un soutien de la part de nos institutions. Donc, c'est une équipe qui réunit trois institutions. Je vais les citer dans l'ordre alphabétique, pas par ordre d'importance. Le CEREC, et on est particulièrement heureux d'avoir la directrice du CEREC, Florence Lefrène, avec nous ici en présentiel. Merci beaucoup, Florence, et donc merci beaucoup au CEREC de nous avoir accompagnés tout au long de ce projet. Le CLERCE, qui nous a aussi accueillis lors d'une de nos journées importantes pendant ces cinq années. Et puis le LEST, bien sûr. Et on est assez nombreux aussi de l'équipe du LEST ici. C'est donc une équipe de ces trois institutions qui réunit des personnes. Et c'est chouette parce qu'on est tous là, toutes et tous là. Donc il y a Arnaud Dupré qui est caché là-bas, du CEREC. Dominique Epiphane, donc pour l'équipe du CEREC, qui est ici. Pour le CLERCE, donc, il y avait Martine Pernaud-Lemâtre, qui est juste à côté de moi, et Anne Bustrel, juste après. Au LEST, nous étions trois. donc, il y avait Alexandra Johnson-Leclerc, qui nous a quittés maintenant, parce qu'elle vogue sous d'autres cieux. Donc, elle est maintenant à l'école Schema, c'est comme ça qu'on dit. Mais elle a participé, elle a fait un immense nombre d'entretiens et beaucoup plus que cela. Et Stéphanie Moulet, qui est assise là aussi.
Donc je suis ravie qu'on soit tous là. Nous avons normalement à distance, je ne sais pas s'ils sont arrivés, nous avons également deux membres de notre conseil scientifique, donc nous sommes aussi ravis de les avoir avec nous. En la personne de Dominique Anxo, de l'université de Linus en Suède, je prononce sûrement très très mal, et de Nicky Lefeuvre de Lausanne. Et donc merci beaucoup à vous deux aussi pour nous avoir accompagnés, suivis, alimentés nos réflexions pendant le déroulement de cette recherche. Alors, quelques mots quand même sur les ambitions qu'avait ce projet de recherche. Notre objectif, c'était d'étudier les freins que les femmes rencontrent pour accéder au métier de l'encadrement, hein, pour dire large. Et pour étudier ces freins, on avait retenu différents partis pris. Le premier d'entre eux, c'était de ne pas se contenter de regarder la situation française, mais au contraire, pour mieux la comprendre, d'aller la confronter à ce qui se passait dans des pays assez proche en matière de développement économique, mais avec des contextes sociétaux assez différents. Donc ces trois autres pays, ce sont la Suède, le Royaume-Uni et la Suisse, dont il sera question donc, dans pas mal de nos présentations. Autre parti pris, c'était celui de ne pas être ancré dans une seule discipline, mais d'avoir dans notre équipe à la fois des économistes et des sociologues. Et donc voilà, nous avons pu échanger et faire finalement, je crois, de la socio-économie, hein, ce qui me semble être le terme finalement qui va assez bien. Nous avons également voulu avoir des approches méthodologiques complémentaires en ayant tout un champ de nos travaux qui sont vraiment quantitatifs, statistiques, économétriques, et puis tout un pan de l'étude qui a nécessité la réalisation d'un grand nombre d'entretiens dans les quatre pays, donc une analyse à la fois quantitative et qualitative. Vous allez le voir, les présentations de cette journée vont refléter, hein, l'ensemble de ces partis pris. Donc une journée hybride, je le disais, par son format en présentiel et puis à distance, mais une journée hybride plus largement parce que nous avons voulu qu'il y ait, comme c'est classiquement le cas, hein, dans ces journées, des présentations académiques pendant tout le déroulement de cette matinée. Alors, avec à la fois des présentations, des travaux réalisés au sein de l'équipe de Woman, mais également des travaux d'autres équipes, d'autres chercheuses. Et puis, dans le déroulement de l'après-midi, on va vous proposer quelque chose d'un petit peu différent. C'est la projection d'un documentaire. Alors, ce documentaire, il est ce qu'on a voulu faire, en tout cas, c'est une forme de vulgarisation d'un article classique, académique, qui a été publié dans la revue Socio-économie du travail, qu'on a écrit avec Dominique Epiphane. Et donc, on va vous projeter ce documentaire et on est vraiment très, très curieuse et ravie d'avoir vos retours sur le fond et puis sur la forme aussi, ça nous intéresse. Ce documentaire, il sera suivi d'une table ronde durant laquelle on a souhaité aussi, sur une thématique comme celle-ci, avoir le discours, les retours d'autres acteurs et actrices que celles du monde académique. Et donc là, on a sollicité des personnalités des entreprises privées, des entreprises publiques, des syndicats et puis une personnalité de l'Association française des managers de la diversité. Nous aurons enfin une conclusion qui sera faite par Clotilde Lemarchand, que nous remercions d'ores et déjà vivement d'avoir accepté. Initialement, c'était Audrey Elouk-Barda du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes qui devait intervenir. Et puis, vous le savez peut-être, mais se tient aujourd'hui l'installation du bureau en présence de la ministre. Donc, elle a dû décliner, tout comme Sophie Pochic, qui devait aussi intervenir à cette table ronde. Alors, tout au long de cette journée, ce qu'on aimerait aussi vraiment, c'est que les moments d'échange puissent être vraiment importants. Donc, on va essayer de veiller au temps pour laisser ce temps-là et donc que vous puissiez avoir tout votre temps de parole.